Et bonsoir à tous. Bonsoir, pourquoi bonsoir, je ne sais pas. Bonjour à tous, on est parti pour un nouveau rando jungle aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je bouge ma caméra. Et donc on est tombé sur Severe Jungle. Alors, on l'avait fait 2 jours auparavant, mais la vidéo était pas... Elle était nulle. Elle était nulle, c'est le stream de l'argent et tout, c'était infâme. Donc du coup j'ai décidé de ne pas la mettre et on va en refaire une. On espère que la game va bien se passer. La game c'était pas très mal passé hein, sur l'autre, hein, c'était pas le souci. Mais la vidéo est trop bizarre pour la mettre sur YouTube honnêtement. Donc je préfère en refaire une un peu mieux. Alors apparemment tout le monde dit que le Sion est OP maintenant, c'est n'importe quoi, les dégâts de Sion machin. Donc ça va être très bien. C'est quoi le délire avec bleu bleu bleu? Alors là je ne sais pas. Alors le sujet du jour, mesdames et messieurs, pour le Rondo Jungle, vous savez comment on s'emmerde en jungle hein. On part sur le sujet du jour. Et le sujet du jour c'est quoi? C'est... je ne sais plus. Merde, c'est quoi? Dien, est-ce que tu es toujours dans le chat? C'était un sujet philosophique. C'est-à-dire qu'il y a un viewer qui m'a dit: j'ai une dissert de philo à faire. Et donc on va l'aider, mesdames et messieurs. On va l'aider pour sa dissert de philo. Tu peux me redonner le sujet, Diane, si tu es toujours là. C'était quoi, les amis? C'était quoi la dissert? Le truc, c'était quoi? S'il vous plaît. C'était quoi? Bah, personne ne le dit. Personne ne le dit, d'accord, plus personne ne sait. Alors, putain. Peut-on être sage et ignorant, je crois? Peut-on être sage et ignorant? C'était hyper sombre. Ah! Peut-on être sage et indifférent? Non, c'est pas ignorant. Pouvons-nous être ignorants et sages? Alors, peut-on être sage et ignorant à la fois? C'est ça le truc, c'est Diane. Peut-on être sage et ignorant à la fois? Alors attention, déjà Diane, tu peux brain ton prof de philo. Tu peux brain ton prof de philo dès le début, parce que sage, si tu vas dans le petit Larousse, il y a plusieurs définitions, figure-toi. Qu'est-ce que la définition de sage au final? Un homme sage, c'est un connard, hein, on va pas rester là-dessus. Mais nous, on va prendre la définition la plus simple pour pas trop se faire chier. Attendez, je vais prendre le Q-spell. Donc là, déjà, tu peux brain. Tu peux dire, mais qu'est-ce qu'un homme sage au final? Un homme sage, est-ce que c'est un homme qui a été suffisamment sage pour recevoir des cadeaux du Père Noël à Noël? Ah! Et là, il peut rien dire, mon pote. Peut être... Et oui, parce que s'il ne précise pas dans la disserte quelle est la véritable définition de sage, bah là, tu le brain. Là, tu le mets dans le mal dès le début, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, tu le pisses un peu dessus. Donc, on va partir comme ça. Déjà, moi, je pense que tu devrais déjà jouer là-dessus. Peut-on être sage ignorant? Tu dis oui, je pense qu'on peut être sage ignorant parce que moi, figurez-vous que pas plus tard qu'il y a 8 ans, quand je croyais encore au Père Noël, pardon là je spoil, hein, Père Noël n'existe pas. Pas plus tard qu'il y a 8 ans, quand je croyais encore au Père Noël, j'essayais d'être sage. Attention, j'essayais d'être sage pour recevoir un maximum de cadeaux, un maximum de boules de mes parents en fait au final, on est d'accord. Mais j'étais ignorant. Et ouais mon pote, on peut faire l'amalgame, on peut faire la liaison entre le fait d'être ignorant parce que tu ne savais pas que le Père Noël n'existait pas, d'accord? Donc tu étais ignorant, tu ne savais pas, mais tu étais sage, tu vois ce que je veux dire? Alors qui c'est qui aurait trouvé ça? Qui c'est qui aurait trouvé ça à part moi? Mon pote, là je te donne putain de 10, là tu tapes en 20 sur 20, au KLM mon pote. Alors déjà tu sors ça, le prof il est foutu, il doit fermer sa gueule là instant. Alors là on va ganker. Alors Yoshi, t'as peur? Très bien. Alors, donc là il prend le red buff. Ah, des meilleurs ganks, hein, bien sûr. Alors, toxic player. C'est pour ça que j'ai eu 9 en philo au bac, je pense. Non, pas du tout. Est-ce que vous pensez que ma théorie tient la route déjà? Parce que là, c'est pas mal. Ah, je suis un génie ou pas? Gros philosophe. Et ouais, les gars. Mais franchement, la philosophie, c'est tellement n'importe quoi que je suis sûr que ça passe, hein. Y a aucun souci là-dessus, hein. Moi je suis persuadé que ce que je viens de dire ça passe. Parce que là tu brain le correcteur. C'est-à-dire que là tu rentres dans une réflexion qui est telle que même le mec se dit mais wow, what a place. Là le mec n'en peut plus, hein. Actuellement le mec il se dit franchement c'est pas mon niveau parce que là le mec a sorti toutes les choses possibles et inimaginables. Et il ne s'y attendait pas du tout, vous voyez ce que je veux dire? Il ne s'y attendait pas, donc c'est logique que là ça passe, hein, à mon avis ça passe, hein. Ça passe, c'est sûr et certain que ça passe. Voilà, donc là il meurt. Ok, parfait. Donc là on a pris un peu, on a pris la bite là, ou c'est moi là? Je pense qu'on a pris la bite. Là il meurt, meurt le creep. Voilà, et on va back. Parfait. Ah, là où c'était. Mais je vous infuse, moi j'infuse bien entendu la sagesse. Ok, est-ce que vous pensez que ça passe?
Est-ce que vous pensez que ça passe? Parce que je suis sûr que moi, j'en suis persuadé. Moi, à mon époque, ça passait. À l'époque où on était de véritables génies, les gens étaient jugés à leur juste valeur, hein, plus comme maintenant, bien sûr. Bien, ça passait. Parce que sage de définition, la sagesse, un homme qui est extrêmement humble, qui a une grosse réflexion sur lui-même et sur le monde qui l'entoure, bien entendu, qui va prendre des bonnes décisions, qui va essayer de faire le bien pour autrui, n'est-ce pas? Mais aussi sage, le petit enfant, mignon et ignorant, justement, qui est sage parce qu'il croit au Père Noël, il croit au lapin de Pâques, hein, parce que c'est un gros con. On a tous été des gros cons en jouant. On s'est dit, oui, un lapin va nous apporter des œufs, mais ta gueule, un lapin ça fait pas des œufs, qu'est-ce que tu me racontes? Donc, du coup, ça passe. Du coup, persuadé que ça passe, mon pote. Donc ça, déjà, si tu mets un peu de pression sur ton adversaire, donc dis-toi que ton prof est ton adversaire, hein, forcément, t'es en duo Q, enfin non, t'es plutôt en solo Q, dis certes. Donc du coup, tu peux aller chercher ça, moi je pense. Tu peux aller chercher ça, donc tu sors. Mais au final, qu'est-ce que la sagesse? Il faut que tu commences comme ça, t'as dit certes. Au final, qu'est-ce que la sagesse? Un homme sage. Alors lui, par contre, il a pété un câble, là. Lui, il m'a saoulé. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Toi aussi, tu m'as saoulé. Encore là, c'est un des meilleurs gangs qu'un civil, apparemment. Donc là on est bien, on va passer sur la mid lane. Waouh! C'est quoi ça? Mec! C'est un nouveau perso? C'est Sion? Oula! Alors là pour le coup, vous voyez sur mon stream je suis plutôt sage, mais là j'étais ignorant. Hein. J'étais ignorant que c'est... Waouh! C'est Sion? Sa mère? Complètement malade. Qu'est-ce qu'il fait maintenant, Sion? N'importe quoi. Très bien. Très bien, moi j'étais pas au courant. Moi on me dit rien, de toute façon. Alors si j'étais au courant de la refonte, mais là, oh là là, ils sont quoi? Putain, sa mère. Il m'a trop fait peur. Je me suis dit, waouh! Mon dieu, j'ai cru qu'on jouait. Là, franchement, j'ai cru qu'on jouait plus au même jeu là. J'ai cru qu'on était dans Lord of the Ring. Oh my god! Oh les Uruk-hai! Les Uruk-hai sur le fort! Fuyez! Aragorn! Aragorn, Legolas, que voient vos yeux d'elfes? Mon dieu, ils sont des millions, des milliards! Putain. Alors? Alors? Ah, je pense qu'il est deg. Soz, j'étais late. C'est ma faute, hein. Moi je voulais faire ma vraie, hein, désolé. Waouh! Franchement. Énorme. Alors est-ce que c'est devenu ce qu'il est comme perso? Ça c'est la question par contre. Parce qu'il y en a qui disent oui c'est pété. Alors je vois qu'un perso se fait refondu. Si ça vient du français. Le perso est pété, bien sûr. Alors, revenons à notre sujet. Moi j'étais confuse. Franchement là j'étais confuse total. Je trouvais ça vraiment bizarre. Merde. Donc du coup on va faire. Pardon, j'ai pas donné l'état de mon stuff. Là on va se faire un petit plaisir personnel, n'est-ce pas? Et donc on va partir sur la flamme là et tout ça, hein. La flamme sauvage qui permet de manger les poneys. Alors go. Là va ulti. Oh mais non mais c'est la pire. Vas-y push mec. Tu devrais pusher. Comme ça elle va perdre ma script. Ok je back. Dommage on l'a pas eu, bah c'était sûr hein, c'est une Lulu. J'ai pas grand chose à gagner à aller sur cette Lulu. Oula. Lui il a besoin d'aide hein, je pense. Je pense que lui il est pas bien. Alors on part sur. Ça, c'est fait. Tac. Voilà, de la vie, on y va. Je vais aller chercher tout ça. Putain, c'est Zank, un des meilleurs, justement. Un des plus grands sages de cette génération. Alors, oui, ce qu'on disait, ça parle trop de philo dans le chat du FF. Mais non, mais Dayzin, ah, pas du tout. Alors, par contre, perso, je ferai un troisième point sur oui, tempéré signifiant qu'il y a trop de subjectivité dans le terme sagesse. Parce qu'on ajoute de la cohérence à la connaissance. Ou son absence. Putain, meilleur, le mec qui a fait un bac philo, quoi. Enfin, il a fait de la full philo. Incroyable. Donc, ouais, mais moi, je suis d'accord. Franchement, je pense que tu peux mettre déjà le doute au mec en disant « Mais qu'est-ce que la sagesse ?» au final. Enfin, non, pas « Qu'est-ce que la sagesse ?» parce que le mot « sagesse » n'est pas utilisé dans le dans ton sujet. Le mot « sagesse » n'est pas utilisé, c'est « sage ». Peut-on être sage ? Sage et ignorant. Et donc ça c'est un avantage pour toi. Là, tu peux pisser sur ton correcteur. Tu peux dire « Bah alors, mec, on sait pas faire ses intitulés. Bah, c'est nul. » Donc, forcément... Moi je rajouterai ce petit point déjà qui te donne un avantage assez énorme sur ton adversaire.
Donc tu peux prendre l'avantage en lane, hein, directement sur la feuille, avec ce truc là. Parce que moi je suis sûr que ma théorie, j'en suis persuadé à 100 000% ça tient la route. Je mets ma main à couper quoi. Franchement. Il n'y a pas de méthode en philo, non, c'est random, c'est juste de la réflexion. C'est de la réflexion. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, de bonne ou de mauvaise réponse en philo, les amis. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Alors lui par contre on va le défoncer. Alors ? J'avais un shield. Alors ? Eh oui, j'ai un shield pour ta tornade. Petit con. Quoi, Sri ? Bah, NP. NP, fuite de toi. Mec, pas de soucis, hein. Moi, je suis cyber jungle. Vaut mieux que ce soit toi qui récupère les kills. Hein. Aucun problème. Alors, comment elle est arrivée à cette discours ? Sage. Et dit sage, soit celui qui occasionnellement prend une décision pondérée et réfléchie, soit celui qui vit dans la sagesse. Dans le terme de sagesse, on entend une conduite raisonnée, un certain art de vivre qui en toute chose se situe dans. Et on n'aura pas la suite, bien entendu, puisque tu es allé sur Wikipédia. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est pas obligé. Ça, c'est pas obligé. Ça, c'est des conneries, ça, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Ça c'est le terme auquel les gens s'attendent en philo. C'est ça que c'est là où le brain est présent en fait. Les gens s'attendent à ça puisqu'on est en philo. Mais toi t'es au-dessus de tout ça. Toi tu lui sors une anecdote. Là c'est ça les profs ils aiment. Je te jure ils aiment ça. Tu sors une petite anecdote. Et voilà. Déjà qu'est-ce qu'être sage? Quelle est la définition du mot sage? Est-ce qu'on parle là d'un enfant sage attendant ses petits biscuits et ses petits cadeaux de Noël puisque c'est une machine. Donc je poche avec vous. Hein, je vous prends des creeps bien entendu. Ce que je propose c'est de faire ça. Oula, attends, il y a un mec ici. Il y a un mec ici. Et il passe là. Go là. On y va, on va le chercher. Un des meilleurs. Alors ? Putain, mais ça me choque, Sion, il ressemble plus du tout à rien. Ah oui d'accord. Alors ? Il est en train de charger sa tornade. Il a cru qu'il allait m'avoir ou quoi ? Ah bah oui apparemment il va m'avoir. Apparemment il triche, ça triche, ok, très bien, super. Le flash, génial. Génial. Ah, non mais on est sur faitmesdevoirs.com exactement. Les gens sont partis trop loin dans le chat sur la philo. Non mais je pense que ça peut passer honnêtement. Après si voilà, tu peux en jouer. Déjà ça va te faire gratter plus. Donc tu peux facilement sortir une copie, une feuille simple sur ça déjà. Sur ton exposé de ton enfance, etc. Du fait que ton père te violait dans des caves. Non, mais pas ça par contre, ça c'est pas bien. Hein. Mais par contre, tu peux partir là-dessus. Je pense que ça va jouer. Ça ajoute une petite anecdote. Le mec va dire, waouh, quand même, il y a une réflexion derrière. Oh, il est pas con ce mec, hein, il est pas con. Il regarde Eclipsia, mais il est pas con, d'accord. Donc c'est pas mal. Je pense que tu peux partir là-dessus. Moi, je t'autorise. Déjà, moi, si j'étais ton prof, je te mettrais 20. Hein, juste pour ça. Donc Diane, alors Diane, tu es toujours sur le chat, il faut que tu nous donnes ton avis. Hein. Maintenant, parce que là, peut-être qu'on est parti trop loin pour toi, peut-être que ta réflexion est assez limitée, je ne sais pas. Hein. Donc voilà. Alors, j'aurais aimé qu'on m'aide pour ma philo à l'époque, mais maintenant mes sujets sont le dimorphisme lombaire, une page, ok. Bah c'est facile. Hein. Dimorphisme lombaire, moi j'aurais marqué, ok, ça veut rien dire, terminé. Tu vas, ok, ça veut rien dire, TG. Enfin, est-ce que ça va me servir dans la vie de tous les jours, dans mon quotidien? Non, pas du tout, donc fermez vos gueules. Est-ce que quand tu vas acheter une baguette, tu dis excusez-moi, je dois vous payer en dimorphisme lombaire? Non, pas du tout, donc ta gueule. Donc ça, moi ça va galer déjà. Oh, très bien joué ça. Très bien joué ça. Je récupère mon dû. Fabuleux. Fabuleux. Tout simplement fabuleux. Oh là 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 là, le meilleur. Oh, c'est le meilleur. C'est vraiment le meilleur. Donc là, on va voler le blue buff en attendant. Voilà, c'est bon, terminé. Hop, le blue buff qui est de retour chez nous. Z, il y a le bleu. Tu peux le prendre. Ok, nice. Parfait. Donc apparemment l'équipe en bas a récupéré la tour aussi. Donc c'est très bien.
Ah non, mais moi, les gars, moi j'ai été prof. Hein. Moi, vous savez que j'aurais kiffé être prof. Genre, je sais pas prof de quoi, mais ça aurait été trop marrant, vous imaginez? Vous imaginez si j'étais prof, ce serait trop marrant. C'est trop excellent. Je suis prof de streaming. Bonjour. Alors ouvrez vos tablettes à l'onglet 85. Donc aujourd'hui, on va voir petit alinéa how to stream et avoir beaucoup de viewers. Donc si vous avez des boobs, c'est très simple. Vous mettez à poil hein, comme hier sur Twitch. Si vous avez pas de boobs, eh ben tant pis, vous priez. Vous priez. Et c'est parfait. Voilà, fin de la leçon. Allez, on se retrouve demain bien sûr. Moi j'aurais été prof de jeux vidéo. Moi. Donc moi j'aurais organisé des petits concours, j'aurais fait des petits tournois internes, tu vois, dans la classe. Donc là j'étais, bon les gars, vous révisez le niveau 85 de Mario Bros. Parce que vous allez avoir une interro surprise un jour. Vous m'avez gavé, hein. Oh, vous m'avez gavé là. Waouh, ça veut pas faire les devoirs, ça fait que pleurer, d'accord, ça révise pas. Tant le mec, j'ai interro sur Château Bowser, il est pas foutu de tuer un Koopa. Oh, conseil de discipline. Tu veux pas travailler, t'as rien à faire à l'école, tu vas faire quoi de ta vie, dis-moi. Hein, du dimorphisme lombaire. Tout le monde s'en bat les couilles de ça, mon pote. Tout le monde s'en bat les couilles. T'es qu'une merde, moi j'ai arrêté comme ça. T'es qu'une merde, d'accord? Qu'une merde, tu feras jamais rien de ta vie. Si tu dis pas Mario, tu vas faire quoi dans la vie? D'accord? Qu'aujourd'hui, hein, vous m'avez gavé, mais bon, je vais passer l'éponge. Demain, attention, contre surprise, 1v1 contre moi. 1v1 sur LOL, hein. On part sur du Blitzcrank Ditto, donc Blitzcrank contre Blitzcrank. Attention, le mec qui me sort, hein, Blitzcrank full tanky, il dégage, hein. Il dégage direct, hein. Parce que là, c'est pas les leçons, hein. Je vous ai appris comment on jouait. Donc moi, j'aurais été comme ça, ouais, je pense, ouais. À peu près, hein. Dans une autre dimension, ouais, ça aurait pu passer. Interruption, apparemment, hein. On part sur de la bonne beat, là. Ok, très bien. Alors ? Alors ? Alors ? Alors ? Putain, t'as révisé tes cours ? Bâtard ! Ah ouais, bâtard. Très bien. Très bien, super. Bon, bah, magnifique, hein. Je serai encore à l'école. Ah, très bien. Alors, on part sur ça, on part sur des cours comme ça, les potes. On fait ça? On fait comme ça? Moi, je pense qu'on peut faire comme ça. Moi, ça m'intéresse. Moi, ça m'intéresse énormément. Si vous voulez Jiraya prof dans l'éducation nationale, bah, je vous invite à faire des votes. Hein, je veux dire, on change pas un pays comme ça. Il faut mettre un peu la main à la pâte. Sans décoller, j'aimerais bien qu'il y ait des cours de jeux vidéo comme ça. Moi, je serai prof instant. Hein. Je vous jure, je serai prof. J'irai. Allez, les potes, aujourd'hui. Petite révision, n'est-ce pas? Donc, on va voir hein, ce qu'on peut faire sur Mario Kart 8. Hein, aujourd'hui, c'est le soft drift hein, qui est à l'honneur, l'étude, les partiels et tout. Imagine trop des barres de rire. Ce serait énorme. Je viens dans ton école si tu fais ça. Eh bien, écoutez, à terme, puisque je pense pas que je pourrais streamer toute ma vie, bien sûr, hein, parce qu'à 85 ans, ça va être compliqué. Salut à tous. Non, c'est pas possible. Du coup, à terme, ce qu'on va faire, c'est que je vais monter une école comme ça. Donc vous viendrez et moi je vous apprendrai des trucs de ouf quoi. Je dirais les gars c'est parti, je vote pour. On fait ça? Les mecs ont l'air chaud en tout cas hein. Oh putain. Par contre lui faut qu'il se calme. Triplé? Un petit problème ou pas? Très bien, je suis KS, super. Ok, parfait. Ah non, en fait, c'est quoi? Mais en fait, pourquoi il a ressuscité? J'ai pas compris là. On peut m'expliquer? Pour ouvrir un petit débat autour de mon café décaféiné. Alors? Alors? Je fais comment maintenant? Votre équipe a détruit une tourelle. On est meilleur. Je prends l'aggro au cas où. Voilà, c'est bon. Parce que là, elle avait plus beaucoup de vie, donc valait mieux que je me place devant. Alors, tu mets des petits coups. Oh putain. Prends le sion, j'ai pas compris ce qu'il fait. Hop là, merci. Ah, des meilleurs, hein. J'ai mon sabre vicié. Peut-être dû utiliser dans le fight, j'ai pas fait attention. Malheureusement. Ok, c'est bon. Donc on part sur une école comme ça, on fait ça. Ah c'est le passif de Sion, d'accord, il a un revive.
Alors vie après mort, il gagne de l'attaque speed, d'accord, super. Et personne dit rien, quoi, personne dit rien. Ok, super. Ça laisse couler, quoi. Hein, Riot est en train de détruire ce jeu, mais... Non, mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal, honnêtement, c'est pas dégueu. C'est vraiment pas dégueu. Alors, je fais que de l'attaque speed, j'ai absolument zéro d'AD, hein. Mais moi, j'aime beaucoup l'attaque speed. Moi, je suis un grand fan de l'attaque speed. Let's go. Là, tu fais quoi, là ? Capte. Par contre, lui, ce Yasuo, va falloir le faire descendre d'un étage, hein, parce que... Attention, il y a un problème, je peux voir d'ici. Alors, tu fais quoi ? Alors ? C'est qui le prochain, là ? À qui le tour ? Ouais, c'est ça, retouche-moi, vas-y, fais le malin. Vas-y, fais le malin. Non. Putain, il fait chier, lui, avec ses walls de merde ! On se régène. Attention, il a une tornade, le Yasuo. Alors ? Ah, ça a peur là, ça se chie dessus. Alors ? Je voulais me sauter dessus. Donc là, on est bien. On est pas mal. Là, ils ont une bonne pression. Une des meilleures. Alors, je suis caché. Attends, vous croyez qu'il y a le. Ah non, d'accord, il a toujours pas fait quoi. C'est à moi de lui reset son blue buff, il est chiant quand même, Soucion. Enfin, le mec fait aucun effort, ça m'a gavé quoi. La fortune. Bonjour. Ah, venez. Ah, d'accord. Le mec s'est pris pour Gnar quoi. Alors ? Oh non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Il a triché, je suis un peu déçu. Je pensais pas qu'un ulti allait arriver comme ça. Hein. Bien entendu, il a bien géré le Ezreal. Je me suis fait avoir. Fabuleux. Fabuleux. Ouais, mais tant que ça m'intéresse pas. Ah oui, d'accord. Il parlait de Sion apparemment. Le Sion, quand même, là, je sais pas ce qu'il fait depuis tout à l'heure. Je joue aucune idée de ses sorts ni rien. Donc, je sais pas, je sais juste qu'on le massacre. Hein. Mais après, oh, par contre, la jungle, c'est bien passé. J'ai pas vu, on est à 10-3 sans pression. On ice. Bah, il meurt. Hein. Est-ce qu'on fait une épée occulte après ? Histoire de. Parce que là, on est plutôt bien dans le game. Allez, courons. Courage, fuyons. Ouais, du farm. Je vais là. Je vais chercher ce farm. Désolé, je vais le chercher. Donc, en plus, on a bien stacké notre flamme sauvage. Oh là 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 là, les dégâts de mon personnage. Nourage de ses damages. C'est parti. Let's go. J'arrive les potes. J'arrive sur la mid lane. J'ai un ulti. Ah d'accord, ça ward, super. Ok, Thresh. Qu'est-ce qu'il fait, Sion? Il s'est cru invincible ou quoi? Nice. J'avais pas activé mon ulti. My bad. On fout moi, je vais bait. Je vais bait. Hein. Vas-y. Alors? Tu viens pas Ezreal? Dommage. D'accord, le mec l'a ulti, enfin il a tout mis quoi. Wow! Tu l'as tout mis. Ah mais t'as pas de portée, mais de la portée là, rends-moi du mana. Oh il est en wall. Oh merde. Alors? Merde, là par contre je suis pas bien. Vas-y. Un allié a été tué. Alors ? Oh putain. Vous avez tué un ennemi. Je t'aide. Mais son passif, ça pue la merde. Le mec, ça devient une vieille marionnette tout dégueu.
Allez go. Oh nice. Oh nice. Oh nice. Oh nice. Alors baisse la tête. T'es où mec? Ah non, j'ai mis mon E. Impossible, là tu m'as mis tout là. Par contre là c'est chiant. On régène tranquillement. Voilà, nice. Bah on est bien les gars, on est bien. Impossible là, j'avais mis mon E. Et alors, comme il a mis le E plus sa tornade, il a bien géré quand même. Non, en fait si c'est possible. Non c'est impossible, ça m'a saoulé. Ça ne serait jamais dû passer. Alors épée occulte ou pas? Vas-y, de toute façon on est là pour s'amuser, pour le beau jeu. Donc je propose une épée occulte. C'est parti. Suivi d'un mégé, non pas du tout. Et on récupère une IE juste après. Voilà, let's go. Donc là on est plutôt bien, je cherche un red buff. L'Ocean, je sais pas ce qu'il fait par contre, je trouve qu'il est... J'ai pas trop compris quoi. Rando Jungle Sivir, c'était quoi le randomite d'avant? Le randomite d'avant, figurez-vous, c'était Renekton, quand même. Quand même Renekton, c'est fort. Hein. Mais moi j'étais nul avec. Par contre, Sivir, là, ça tabasse en jungle. Hein. C'est plutôt un des meilleurs personnages. Hein. Ok, je vais aller chercher le blue buff. Alors, vous inquiétez pas, moi, je peux faire du 1v5 maintenant. Je me sens bien, je me sens correct. Sivir AP, ça peut marcher. Bah, écoute, si tu te sens de faire une Sivir AP, il me semble qu'il n'y a que le Q-spell. Ouais, c'est bien ça. Il n'y a que le Q-spell qui fonctionne. Pour le LOLs, oui, mais bon, c'est pas ouf. Hein. C'est pas un des meilleurs persos, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Ok, parfait. J'arrive. Ah, ça part sur un Drake. Allez, le pata, les gars. On est chaud. On y va. Avec notre petite Sivir. Mesdames et messieurs, pourrons-nous faire des choses? J'ai le double buff. Oh putain. Oh, Léona a volé le. Non, mais les gars. Mais Paul et Louise. Alors le doublé? Alors c'est comment? Vas-y go. Tu l'as Soirel. Allez vas-y Soirel. Foncez vers le nord. L'Urukai est sous la tour. Il est sous la tour. Alors? Alors ça rage? Je pense qu'on est sur une des plus grosses rages hein, d'Ezreal là. On a cru qu'il allait me tuer comme ça mais pas du tout. Hop, alors? Je régène. Vas-y les gars, je back pas, je vais juste régène un petit peu. Ta-na-na-na. Une des meilleures chansons bien sûr. Hein. Ok. Ils sont chauds. C'est le meilleur. Alors. Ok, on fait quoi? Il a un ulti dans 19 secondes. Il a pas de tornade encore, il a plus de wall. Cimer frérot, on est meilleur. Oh dommage. Alors? Oh! Oh man! Oh what a damage! What a damage! Let's go. Vas-y go. Ah, ils sont partis. Ils se sont fait shutdown là, ils n'ont pas compris d'où ça venait. Alors? Oh quoi? Non! Arrête, tu vas toucher, il va tuer. Ah très bien. Attendez, je suis mort comment? Oh putain. Oh merde. C'est le Sion qui m'a tué? Ah ouais d'accord, peut-être. J'ai pas compris. Oh là 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 là. Ah bon, j'ai dit je viendrai à la PGW avec le résultat de ma philo. D'accord, bah je t'attends Dienne. Je t'attends à la PGW alors. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi le gros truc qui fait Sion qui fait bump tout le monde? C'est quoi ce machin?
Ça a l'air énorme. Je vais mettre cette VOD intérieure, hein, parce que celle de la semaine dernière, enfin, ça, elle était bizarre, elle était très bizarre. Elle était plutôt chelou. On est d'accord. Bah là, il me faut juste IE, je crois qu'on est full stuff, hein, si je dis pas de bêtises, on est full stuff après. Ce sera nickel. Oh là là, la triche, non mais la triche, il y a eu de l'ignite, il y a eu des pertes. Bon, et j'aimerais bien avoir mes 20 stacks. Faut que j'arrive à avoir mes 20 stacks. J'avais tenté des petits 1v1 là, enfin des petits 1v3, ça me dérange pas. Avec du kiting. Vas-y les gars, je suis chaud, regardez, je vais faire le beau jeu. Là, je sais que bon, là on a gagné, hein, mais on va essayer de faire le beau jeu. On va tenter des choses. Let's go. Alors, nice, tant mieux. Du coup, on reprend un peu la cour. Oh, mais ne les tuez pas comme ça, enfin voyons. Alors, Ezreal, tu veux te la donner avec moi ou quoi? Alors, Ezreal? Votre équipe a détruit. D'accord, très bien. Wow, c'est énorme! Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Alors? C'est nul? Oh là là, ils nous tuent tous, ils nous massacrent. Le kite dans les spires. Oh non, merde, je suis mort par trèche. Oh, ils ont sur un, tant mieux. GG well play les amis, incroyable. Waouh. Bah écoutez, on s'en est bien sorti, hein. C'est quand même bien sorti dans l'ensemble pour ce rando jungle avec un sujet de philosophie en plus. Donc je veux dire, on avait tout pour nous, donc c'était très bien. 25 quand même. Merci à tous. Merci les gars. GG les potes. Alors on était bien fed, hein, là. Je vous avoue, c'est le feed de ma vie. 40k dégâts quand même, tout de même pour les damage. Quand même assez sympathique, mesdames et messieurs. Alors c'est quoi ce titre allié tué? Oui, c'est apparemment depuis la mise à jour ce matin, puisqu'il y a le refonte de Sion. Il y a allié tué ou ennemi tué maintenant qui a été changé, etc. C'est assez bizarre, non, mais c'est déroutant un petit peu. Au début, tu fais quoi, allié tué, qu'est-ce que c'est que ça et tout, alors que d'habitude ça faisait un allié a été tué ou genre machin, mais là c'est carrément marqué, donc c'est très bien. À demain, Gigi. Oui, alors calme-toi, Macadam, il est partout, ces mecs. Bon, ça s'est très bien passé. On a fait le café et on a réussi à remporter la victoire. Donc GG à tous, GG aux abonnés également qui ont fait le taf, le café, mesdames et messieurs. J'espère que cette VOD vous a plu. J'espère que Diane, tu auras ta dissert de philo grâce à mes techniques, bien entendu grâce à ma méthode. J'espère que tu pourras avoir ce que tu veux en philo. Tu auras très certainement 21/20, je pense, puisque là tout le chat a pu t'aider. Donc c'était super. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne Jiraya et Skyheart. C'est gratuit. Vous pouvez me rejoindre également sur les réseaux sociaux, Facebook ou encore Twitter, facebook.com/JirayaLeCochon, twitter.com/JirayaLeCochon, et voilà. Et donc c'est fabuleux, je crois qu'on a fait le tour. Laissez un petit pouce vert, des commentaires, les gars, des petits pouces verts, des commentaires. Et bon, il y a Diego qui est là-bas. Allô Diego. Voilà, il faut que je sois obligé de l'appeler comme ça, je tape sur la vitre, hein. Je tape pas trop fort parce que sinon je peux la casser à tout moment grâce à mes muscles. Voilà, et du coup on est parti. Ah oui, fini mes mecs, écoute, 25 civir jungle, il y a un problème ou pas? C'est quoi le souci, hein? Très bien. Allez, ben voilà, c'est terminé ici. Diego va couper la VOD. Merci à tous, on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite.